Lost in Nader again. Oh my god, there's a car. Wow! Ah mais j'ai rien pour vous, je suis navré hein. Bon, nous revoici en pleine nature, même si on entend très très fort la route pour le coup. J'ai pas trouvé un spot où on n'entendait pas la route. Mais bon, franchement ça fait l'affaire. Je suis vraiment à côté d'un chemin, donc s'il y a des gens qui passent... Je suis vraiment pas en tenue appropriée. En fait, il faut savoir que ce matin, je me suis levé à 6h pour aller en cours, évidemment. Évidemment, la rentrée, tout ça, j'ai commencé à 8h, j'ai fini à 9h, alors que je devais finir à 15h30. Donc, comprenez bien mon seum quand je l'ai appris, parce que je l'ai appris qu'à midi. J'ai attendu pour rien, et je ne peux pas vraiment rentrer chez moi, parce que chez moi, ce n'est pas à côté. Cependant, j'ai quand même mangé avec une pote. Franchement, j'avais la flemme d'être resté 3h pour rien, et puis je voulais manger avec ma pote. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'était cool. Donc après ça, je suis rentré. Le problème étant que du coup, il était très très tôt, ce qui n'est pas un problème finalement. Et je ne voulais pas rien faire. Vous voyez, je fais partie de ce genre de personne. Je me considère pas du tout comme hyperactif, surtout que... Il y a des moments où je suis très très lazy, quoi, comme tout le monde. Mais je supporte pas être justement lazy plus d'une journée ou deux. J'arrive pas en fait. Je suis consterné, je suis là en mode... Mais non. Dans ma tête, c'est vraiment inconcevable de rester plus d'une journée à ne rien faire. Sur mon lit, chez moi, dans ma chambre, peu importe, juste, il faut que je bouge. Même si je bouge chez moi, il faut que je fasse quelque chose, des activités. Je peux pas rester littéralement une journée sur des écrans, je peux. Mais après ça, je culpabilise de ne rien faire et je me dis, mais non, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Juste bouge, là tu gâches ton temps. C'est ça en fait, j'ai vraiment cette sensation de perdre mon temps à ne rien faire. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un, alors que non, pas du tout, genre, typiquement, tu ne perds pas ton temps quand tu fais rien. Mais moi, c'est ma sensation à moi. Donc, j'ai évidemment décidé de partir à l'improviste. En pleine nature, on ne connaît que ça ici, je vous avoue que c'est un peu ma safe place, la nature. J'adore y être. Surtout que là, depuis que je suis à la fac, je suis en ville tout le temps, mais genre constamment. Moi, je suis sur un campus. Et j'ai des potes sur d'autres campus et tout, donc on se rejoint entre deux et tout, pour manger, pour... Vous voyez, sachant qu'on est la première semaine de la rentrée pour moi, donc j'ai pas vraiment grand chose à faire. C'est surtout de la présentation, c'est assez vague, ça montre les chapitres, etc. Le gros du gros, c'est vraiment réviser en fait, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de cours, vu que c'est que le début. Donc voilà, me voici. Partir à l'improviste, c'est très sous-estimé, je trouve. Les choses à l'improviste en général, dans le sens où vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours adoré et qui se développe au fur et à mesure du temps. J'adore partir à l'improviste. Vous voyez par exemple le week-end dernier il y avait une vente au kilo près de chez moi. J'y suis allé, c'était prévu. Le lendemain matin on me dit hey, tu veux pas y retourner et tout parce que j'ai une pote qui habite à Paris qui m'a dit comme quoi elle voulait bien y aller et tout mais tout seul c'est moins ouf. Donc hop, j'y suis allé et je n'ai pas rien fait de ma journée et vraiment j'adore les choses à l'improviste. Là je suis rentré chez moi, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire? C'est effrayant quand même un petit peu. Dès que j'entends un bruit, je me dis ça peut être un humain qui va m'entendre faire une vidéo YouTube en pleine nature. Mais écoutez, c'est le boulot. Mais bref, anyways, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Je suis rentré, je me suis dit, ben vas-y. Et si vous savez comme j'ai longuement hésité, parce que là, c'est un peu l'heure du goûter, il est 5h moins le quart et tout. Et ben non, franchement, je me suis dit, c'est le moment, pars. Là, honnêtement, j'ai fait quelque chose de ma journée, je peux comprendre... que même moi je serais resté chez moi. C'est juste que là vraiment je voulais pas passer mon après-midi enfermé en sachant que l'été touche à sa fin. Je suis désolé de le dire mais c'est une vérité qu'il faut bien constater. Là il fait encore super beau, assez chaud. Je suis littéralement en chemise. Bah d'ailleurs je l'ai acheté à la vente au kilo récemment. Je ferai, je pense, un concept de vidéo qui n'est pas du tout rare sur YouTube. Mais mes favoris ou un truc comme ça, vous voyez, parce que j'ai beaucoup de choses à montrer, j'adore montrer des choses, que ça plaise ou non. Donc, écoutez, il fait super chaud et je compte encore en profiter, parce que je vous avoue que ce matin, il faisait super froid.
Mais là, c'est une des dernières journées où c'est vraiment l'après-midi, on a grand soleil et tout. Je crois qu'il fait pas très beau ce week-end en mode orage et tout. Les orages de fin d'été, finalement, on connaît. Ça fait déjà 7 minutes 20 que je filme, mais c'est une blague. Pour le coup, je suis parti à pied. J'avais vraiment la flemme de prendre mon vélo, en fait. Puis, je savais pas où aller en vélo. Puis c'est un peu encombrant, le vélo, tu sais pas trop où le poser. Mais là, au moins, je suis tranquille. Et j'ai croisé une dame qui faisait du vélo, qui m'a demandé son chemin. Normalement, j'ai filmé. C'était vraiment sans faire exprès, je l'ai filmé, mais je l'ai filmé. Je sais pas, là, vous êtes à la madame. Ok. Si vous... J'ai pas trop su lui indiquer, mais elle fera avec. J'adore ce genre de rencontre, vous voyez, c'est typiquement quand on fait des sorties à l'improviste. On rencontre pas vraiment des gens dans la rue de nos jours. Je reprends un terme que j'ai déjà entendu, mais on a perdu ce contact qu'il y avait avant, en fait. Parce que maintenant, on est là avec nos casques et tout dans la rue. Ce qui est plutôt cool, je vous avoue que la musique, c'est la vie. Mais ouais, on a perdu ce contact, cette chaleur en fait, le fait d'être chaleureux avec les gens et tout. Et moi, ça me fait vraiment plaisir quand des gens m'accostent et limite me demandent. Je me souviens, un jour, je montais une grande côte à vélo. C'était horrible, je la faisais à pied parce que vraiment, il faisait une chaleur extrême. Et puis même, j'assume, je monte les côtes à pied en vélo, c'est une torture. Et il y a un monsieur qui m'a dépassé en vélo électrique. Et moi, je savais pas que c'était un vélo électrique, mais je me suis dit dans ma tête, tiens, c'est électrique, je suis sûr et tout, sinon il serait carrément dans le même état que moi. Et le monsieur m'a fait « Pas de mérite, j'ai un moteur ». Et j'adore ce contact avec les gens, vraiment. Et je trouve que c'est souvent, quand on fait des sorties à l'improviste... Je suis en haut de la vallée, donc forcément, dans la vallée, on entend tous les sons qui remontent. Qu'est-ce que je disais ? J'adore ces petits trucs comme ça, ces petites discussions, en fait, de quelques secondes. Mais moi, j'aime tellement ça quand les gens sont gentils et chaleureux entre eux, en fait. Il y a un moustique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En vrai, je suis en pleine forêt, mais... Bon, ok, ça paraît logique, du coup. Ça donne le sourire. Moi, j'aime beaucoup quand les gens, ils m'accostent juste pour me demander quelque chose et que je suis en pleine nature ou quoi que ce soit et tout. Bon, il y a des limites quand même, hein, vous avez capté, mais... Si vous saviez le nombre de minutes que j'ai perdu sur le fait simplement d'hésiter à si j'allais partir et ce que j'allais emmener, c'est tout le temps comme ça. Et je me faisais la remarque tout à l'heure avant de partir et je voulais en parler. C'est pareil pour Netflix. Dès que je vais sur Netflix ou un site de streaming, quoi que ce soit, si je n'ai pas mon idée en tête de ce que je vais regarder, ça peut me prendre des heures et des heures. Vraiment, le fait d'hésiter, ça fait perdre des minutes, mais tellement précieuses. Là, j'ai pris au moins une demi-heure à me décider. Bon, j'y vais ou pas ? Oui, il faut juste arrêter d'hésiter. Arrêtez d'hésiter et faites les choses. C'est aussi simple que ça, je trouve. Honnêtement, faites les choses. Hésitez quand même pour certaines petites choses, ça va dans la limite du raisonnable, évidemment. Mais pour ce genre de choses, faut vraiment arrêter d'hésiter et juste y aller, quoi. Putain, là là ! Mais il y a vraiment un moustique, c'est une boutade ! Bon bref, hésiter nous fait perdre du temps et les sorties à l'improviste, c'est quelque chose qui me passionne. Parce que je trouve que c'est à l'improviste qu'on fait les meilleures rencontres. Et je me dis, c'est comme quand je rencontre les gens, quand j'ai rencontré la dame tout à l'heure, si j'étais pas parti, ça se trouve la dame elle aurait jamais su à qui demander, elle aurait été perdue pour toujours, même si je l'ai pas trop indiqué. Je vais avoir ce moustique, je vous jure que je vais l'avoir. Tout ceci pour tout cela, pour vous dire que l'improviste, c'est extraordinaire. Et je vous le jure. Moi je vais repartir, merci pour cette attention finalement, pour cette petite vidéo vraiment à l'improviste qui ne sortira peut-être pas d'ailleurs. Je verrai ça chez moi, là on est vendredi alors. J'ai eu le moustique. D'accord ? Je l'ai eu. Et ben ça va se finir là-dessus. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je voulais garder une trace de cette petite pensée sur YouTube. Que peu importe la situation, si j'hésite à sortir, si j'hésite à faire quelque chose dans la journée, il faut que je le fasse parce que je sais que dans tous les cas, ça finira bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Je sais pas du tout si elle sortira. Mais voilà, moi je vais repartir sur les petites routes de France. Repartir sur les routes, tel un randonneur de pacotille. A plus. Je suis bloqué en fait.